Salam alaikum. Bonjour à tous. Je commence aujourd'hui le cours d'analyse sur les séries entières, qui est la suite des cours que j'ai donnés sur les séries numériques, les suites de fonctions, les séries de fonctions. Maintenant, nous avons un chapitre sur un exemple particulier et très important de séries de fonctions qui sont les séries entières. Alors, dans cette séance, la première partie de ce cours sur les séries entières, je vais me contenter de donner les définitions d'une série entière, le rayon de convergence et quelques exemples. Alors, dans les séances suivantes, nous allons parler des propriétés de la somme d'une série entière, continuité, dérivabilité, etc. Alors, on commence par la définition. Donc, une série entière, c'est une série de fonctions avec un terme général particulier qui est un monome. Alors que ce soit pour z appartenant à c ou bien en général pour x appartenant à r, donc les séries entières, donc soit des séries entières complexes et des séries entières réelles. An est une suite de constantes réelles ou complexes grâce à laquelle nous allons, à cette suite AN, on a la définition de la série entière, que l'on note brièvement comme ça, sans parler de débit de la N égale 0 jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire la série entière de termes général AN, ZN. Alors, le problème principal pour les séries entières, c'est l'étude du domaine de convergence. Où est-ce qu'elle converge, cette série? Alors, nous appelons domaine de convergence D égale l'ensemble des Z appartenant à C, tel que sigma de A, N, Z, N converge. Parce que vous allez voir que pour les séries entières, c'est un peu trop facile, si je peux m'exprimer comme ça, la convergence. Il y a trois cas. Ou bien Z étant ce disque de convergence, nous allons définir son rayon dans ce qui suit. À l'intérieur de ce disque ouvert, il y a la convergence absolue. À l'extérieur de l'adhérence de ce disque, alors ce disque est de rayon R, que nous allons appeler le rayon de convergence. À l'extérieur de l'adhérence de D, c'est-à-dire pour module de Z supérieur strictement à R, là, il y a divergence. Divergence absolue, divergence tout court. Et sur la frontière entre ces deux parties, c'est le cercle module de z égale r. Là, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir convergence ou divergence. Ça dépend des cas, ça dépend des séries entières. Chaque série entière, évidemment, peut avoir des différences par rapport aux autres. Alors, si on se contente à l'axe réel, la série entière, donc on va la noter comme ça, sigma de n, xn, alors ce d, c'est l'intersection de d avec l'axe r, et c'est moins r, r. Donc nous aurons la convergence absolue de cette série à l'intérieur de l'intervalle ouvert, et la divergence à l'extérieur de l'intervalle fermé. Et sur les bornes moins R et R, on peut avoir convergence ou divergence, ou les deux en même temps. C'est-à-dire, on peut avoir divergence en moins R et R, ou bien convergence en moins R et R, ou bien convergence en l'un et divergence en l'autre extrémité. Bien. Alors, maintenant, avant de donner la définition du rayon de convergence, donc le rayon de ce disque dont j'ai parlé. Prenons par exemple des exemples. Leur étude est très simple à partir d'une série numérique. Parce que pour étudier une série de convergences, on étudie là le module de cette série. Hein, n'est-ce pas? Le module, la convergence de la série du module. Module Fn de z. Sigma de module de Fn de z pour déterminer mon domaine de convergence. Alors pour cet exemple, par exemple, regardez cette série entière. Son terme général, c'est ça. Je vais étudier
la convergence du module. Donc j'ai une série numérique. J'ai fait le cours sur les séries numériques, chapitre 1. Je vais vous laisser le lien dans la description. Alors, parmi les méthodes ou les critères que nous avons vus, le critère de Cauchy. Alors, la racine énième. Alors, ce critère de Cauchy, parce que là, dans cette situation, il est conseillé, parce que vous avez des puissances de n. Si vous faites la racine énième du module de n de z, vous trouvez z sur n. Et évidemment, ceci tend vers 0. Tend vers 0 pour tout z. Donc, d'après la règle de Cauchy, ou le critère de Cauchy, comme on peut l'appeler, voir le chapitre sur les séries numériques, cette série converge absolument pour tout z. Alors, dans ce cas, on dira que son rayon est plus l'infini. Parce que pour tout z appartenant à C, c'est quoi? C'est le disque de rayon 0 de centre 0 et de rayon plus l'infini. Donc, ici, le domaine T, c'est C, et le rayon, c'est plus l'infini. Regardons l'exemple suivant. Ici, nous avons cette série entière. Je ne vais pas lui appliquer la règle de Cauchy, bien que je peux le faire également, mais je lui applique la règle de D'Alembert au module. J'étudie le module, toujours le module. Alors, voici le quotient f1 plus z, f1 plus 1 de z sur f1 de z, le tout en module, qui me donne ceci. Et ceci tend vers module de z. Donc, on voit que si z est inférieur à 1, elle converge. Et si z est supérieur à 1, elle diverge. C'est comme ça qu'on a appris dans la règle de D'Alembert. Et d'ailleurs, si z est supérieur ou égal à 1, ce terme général ne tombe pas vers 0. Donc, il y a convergence. Ainsi, vous voyez que la frontière entre la convergence et la divergence absolue, ou la divergence tout court, c'est r égale 1. Et c'est ce 1, c'est le rayon de convergence de cette série. Donc ça, c'est l'exemple numéro 2. Exemple numéro 3. Regardez cette série entière. Je lui applique D'Alembert, règle de D'Alembert, et je trouve ce rapport est égal à 1 plus 1, que multiplie le module de z, tend vers plus l'infini si z est non nul. Donc si z est non nul, cette série diverge absolument. Et elle converge pour la seule valeur z égale 0, parce qu'à ce moment-là, la limite, ce n'est pas plus l'infini, c'est 0. Et donc, il y a convergence. Mais pour z égale 0, c'est trivial puisque c'est la série nulle. Alors, nous voyons donc que puisqu'il y a convergence pour la seule valeur z égale 0, le rayon de convergence ici est nul. Nous avons vu trois situations différentes. Dans la première situation, est-ce que c'est la première ou la deuxième? Regardons, oui. Dans la première situation, le rayon est égal à plus l'infini. Et dans deuxième situation, donc le rayon est égal à 1. Et dans cette troisième, le rayon est nul. Ce sont des possibilités que l'on peut avoir pour une série entière. Alors maintenant, regardons le théorème qui définit le rayon de convergence d'une manière claire et intrinsèque. C'est avec la limite sup de la racine énième de module de A. Alors, nous donnons dans le théorème fondamental suivant la définition du rayon de convergence. À toute série entière, sigma de A, N, Z, N, est associé un rayon R, défini par cette formule. Nous allons l'appeler la formule de Adama. Ce R est positif, toujours un rayon positif, fini ou infini, comme nous avons vu dans les exemples précédents. Alors, si z est inférieur à r strictement, la série converge absolument. Si z est supérieur à r, la série diverge, son terme général n'est pas borné. Et si, c'est intéressant, si le rayon rho, si nous avons un rayon rho entre 0 et r strictement, la série converge normalement et uniformément sur le disque fermé 0. Le rayon R est appelé rayon de convergence de la série entière sigma de AN, ZN.
Alors la démonstration, évidemment, je l'ai, c'est juste pour ne pas encombrer cette présentation. Et elle est un petit peu longue, mais elle existe, la démonstration. Je ne l'ai pas donnée, mais elle est dans mon cours, là, ce cours que j'écris donc en binaire. Je me contente de donner des démonstrations courtes ou bien simplement des énoncés. Alors maintenant, cette remarque, cette formule qui donne le rayon de convergence, on l'appelle la formule de Hadamard. Cette formule est toujours valable. Simplement, sauf que dans la pratique, elle n'est pas toujours exécutable. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours utiliser cette formule. Évidemment, si vous avez la limite de racine n-ième de A, module de A n, comme dans l'exemple. Dans un exemple que nous avons vu, vous pouvez dire que R, c'est l'inverse de cette limite. Si la limite existe. Si la limite n'existe pas, il se peut que la limite sup existe. Nous allons voir ça dans des exemples 4, 5 et 6. Nous allons voir encore des exemples aujourd'hui. Donc, si la limite de racine n-ième de a n existe, elle est égale à la limite sup. Donc, le rayon sera 1 sur n. On peut aussi trouver le rayon de convergence sans utiliser cette formule. Si la série entière vérifie cette propriété, ses coefficients vérifient. Alors, les a n, on les appelle les coefficients de la série entière. Si on a cette relation, le rayon est 1 sur l. Pourquoi? Parce que si je mets ici zn, plus 1 et ici zn plus 1. C'est-à-dire, si j'applique la règle de D'Alembert au module de a n zn. Alors, pour module de a n zn, la règle de D'Alembert va donner L module de z. Donc, il y a convergence si L module de z est inférieur à 1, c'est-à-dire module de z inférieur à 1 sur L, et divergence dans le cas contraire, c'est-à-dire module de z supérieur à 1 sur L. Si bien que le rayon, hein, la frontière entre la convergence et la divergence, c'est le rayon 1 sur L. Voilà, donc maintenant, vous pouvez utiliser ça. Si la limite existe, la limite de racine n-ième de module de Hn, le rayon c'est 1 sur L. Si par D'Alembert, pour les coefficients, vous trouvez L, le rayon est égal à 1 sur L. Alors nous allons voir maintenant des exemples et nous terminerons cette séance. Alors prenons cette série entière. Alors ici, module de AN est égal à 2 sur 2 sur racine n-ième de n, qui tend vers 1, racine n-ième de n. Donc le tout tend vers 2. Alors le rayon, d'après la remarque précédente, c'est 1 sur 2, c'est 1 demi. Pour la deuxième série, par l'exemple 5 ici, vous avez cette série entière. Je fais D'Alembert, hein, comme on l'a vu dans la remarque, pour les coefficients, pas pour le terme général. Alors après calcul, voilà ce que je trouve. Ceci tend vers 3. Donc le rayon est 1 sur cette limite, c'est 1 tiers. Et venons-en maintenant au dernier exemple. Alors, pour cet exemple, alors là, je donne un exemple exprès où on peut utiliser la formule de Hadamard. Parce que ici, les coefficients que vous voyez ici de AN, on voit que le coefficient pair. Qu'est-ce que c'est qu'un coefficient pair? Un coefficient A2n, c'est celui qui est à côté de la puissance Z2n. Et les puissances impaires que vous ne voyez pas ici, c'est que les coefficients impairs sont nuls. Les coefficients d'indice impair sont nuls. Donc nous avons racine n-ième de AN se divise en deux suite extraite, racine n-ième de module de AN. Voici la première suite extraite et la deuxième. Alors pour les coefficients AN d'indice pair, donc cette racine n-ième, c'est ça, et elle tend vers 1 lorsque n tend plus l'infini. Et pour celle-ci, pour les coefficients d'indice impair, la racine n-ième de n en module, c'est 0. Donc nous avons deux suites extraites de racine n-ième de a n.
l'une qui tend vers 1 et l'autre qui tend vers 0. Nous avons appris que quand on a des suites extraites, la limite sup, c'est la plus grande valeur d'adhérence, et c'est 1. Et donc, c'est ça la limite sup de racine 1e de a n, et par conséquent, r égale 1 sur cette limite, 1 sur 1 égale 1. Donc, voilà le rayon de convergence en utilisant, ici, on utilise la formule de Hadamard. Voilà, c'est tout pour cette séance. Nous continuerons, Inch'Allah, la suite en voyant les propriétés des séries entières, continuité, dérivabilité, développement d'une fonction en série entière dans des séances prochaines. Merci de votre attention. Au revoir.